Ils seront bientôt en Ukraine et permettront, espèrent les autorités de Kiev, de changer le cours de la guerre. Les Léopard 2, des chars dernière génération fabriqués en Allemagne. 60 tonnes de métal propulsées à 70 km/h. C'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui vient de donner le feu vert. Le gouvernement allemand souhaite maintenant un déploiement rapide. J'ai expressément encouragé les pays partenaires qui ont des chars Léopard prêts à être déployés à entraîner les forces ukrainiennes sur ces chars. L'Allemagne fournira directement une compagnie de 14 chars issus des stocks de son armée. Berlin autorise aussi d'autres pays qui en possèdent, comme la Pologne, les Pays-Bas ou la Finlande, à les livrer en Ukraine. La France se félicite de cette décision et la présidence ukrainienne salue un premier pas, espérant rapidement de nouvelles promesses de livraison. Cela fait des mois que le gouvernement allemand hésitait à envoyer ses chars en Ukraine, redoutant que cela ne provoque une escalade. Ce matin à Moscou, le Kremlin répète d'ailleurs que les chars occidentaux brûleront en Ukraine.